N'a continué ti voyage, on a sorti au Cap, nous pour aller Gonaïves, pour rencontrer un jeune garçon qui gagne son ingénieur depuis l'elle était petit. Longtemps même avant il était allé étudier pour lui tourner en ingénieur civil. Depuis l'elle est ouvert en 2010, Blondo Audi vient transformer Vaco Construction en gros business qui gagne connait en plus passé 150 employés. L'idée Vaco a sorti côté l'en a évolué dans secteur, nous té wèk on carence. Qui carence? Parfois, en tant qu'ingénieur, je vais travailler de l'autre côté, responsable chantier. L'aime pour un foreman, je vais contrat. Je suis toujours à goûter avec foreman, mais qui ça pour faire. C'est là l'idée de ce que je dis, pour qui ça moi-même, mais pour créer un film, côté, pour mal prendre un contrat dans l'autre gros compagnie, côté moi-même, en tant qu'ingénieur, moi là pour superviser la qualité de travail. Et c'est comme ça que je dis. Après tout secteur a venu faire nous confiance depuis ce compagnie qui là qui dans pays là debout dit Vaco il dit oui parce que connaît nous bon travail de qualité. Apparemment depuis l'autre tout petit ou tu toujours aimé faire business ou faire toute qualité business. Est-ce qu'on capable partager avec nous comment tu commencé dans faire business? Moi j'ai commencé très jeune, c'est à l'âge de 13 14 ans. L'aime de commencer, j'étais un simple caméraman. Donc on a filmé, faire photo et à 15 ans, mais ça Gonaïves pas de grand pile caméraman. C'était nous trois et les hommes de tout petit. Normalement, j'ai commencé études universitaires à moi, Port-au-Prince. 2004, avec problème, nous avons payé à Game, j'étais obligé de quitter Port-au-Prince pour m'entrer en République Dominicaine. Et les mouvements en République Dominicaine, c'est là que je vais faire le premier restaurant haïtien Santiago. C'est moi qui vais faire le restaurant haïtien, pour les haïtiens étudiants, haïtiens qui allaient manger. Tout à l'heure, c'est travail tout, car elle mangeait en République Dominicaine. Et après l'étude en 2009, je suis entré dans le pays. Je suis entré le 16 décembre 2009. Et en 2010, nous venons pour un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, en juillet, je suis embauché dans VOP en tant qu'ingénieur civil. Et c'est là tout en 2010, parallèlement à la VOP, je vais créer Vaco Construction. Il y a un pile de défis pour les gens qui vivent en Haïti, spécialement les gens qui ont fait business. Est-ce que vous pouvez parler de défis avec difficultés que vous-même avez joué, l'autre a créé, la compagnie de construction pour là? Nous avons lancé Vaco, nous n'avons pas de moyens. Nous sommes obligés d'aller dans le microcrédit, nous avons fait un prêt de 2 millions de gouttes et nous avons lancé. Parce que nous avons joué dans un projet, nous avons un projet, il faut que nous ayons un COB, nous avons acheté des matériaux, pour nous avons répondre à un projet. C'est ça le fait, nous avons un microcrédit. Nous sommes obligés de prêter 2 millions de gouttes pour nous lancer. Et depuis le lancer, c'est ça tout qui fait aujourd'hui, nous arrivons là. Nous connaissons déjà accès à crédit pour l'entrepreneur, ce n'est pas facile. Et il y a des gens qui ont nous parler le crédit, nous puissions le bon. Vous comprenez? Il faut que vous mesurez leur prêt. C'est ça le fait. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais nous connaissons, quand nous avons commencé, nous pas arrêter là tout. Il faut que nous avancions quand même. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous là. Qui est le plus gros rêve pour Vaco Construction? Rêve PAM, aujourd'hui, c'est pour Vaco devenir une compagnie. C'est pour toute grosse compagnie pays à gagner. C'est pour vos fils. Et aujourd'hui, nous avons 40 compagnies dans le pays. C'est ça qui fait nous avons pile compagnie qui sont dehors. Il vient dans le pays, qui travaille, je dis, plus fort contre le pays, on va regarder où ses compagnies étrangères de gagner. Je dis, on voulait pouvoir qu'on grandisse, venir dans l'autre compagnie. C'est comme ça qu'on voulait pour Audivin, venir dans le site d'attraction pour tout touriste qui a dans le pays. Qui est PAC Vaco avec l'autre compagnie qu'on gagne, gagne sous communauté? Pour la communauté, ça, à côté de la ville, là, Vaco. Tout le monde a parlé de Vaco parce que Vaco est une source de revenus pour la majorité des jeunes garçons. Ça ne peut pas faire rien. Il y a plein de gens qui ont vu dominer les Vaco, venir prendre au travail et famille autour. Est-ce que vous êtes capable de dire que Haïti est un pays qui charge l'opportunité? Il y a plein d'opportunités et déjà son pays qui vierge. Nous avons une opportunité pour nous aller vivre dehors, pour nous quitter le pays. Mais c'est parce que nous sommes croyés dans ça. C'est parce que nous sommes croyés dans toute opportunité pays. Offrir déjà et ça nous a offert nous à l'avenir qui fait nous arrêter là, qui fait nous sommes obligés de mettre nous sommes obligés de mettre nous dans pile là pour nous faire maintenant pas là pour nous qui gens nous sommes contribuer dans l'avancement du pays. Et je dis, nous avons encouragé tout le monde qui est dehors, venir
vini parce que le pays a vierge et le pays a tant. Tout pour net, nous avons investi parce que le pays a chargé et bourré d'opportunités.